Casalet vient d'ouvrir un magasin d'antiquités. Ah, première nouvelle, Tournicotel. Et bien alors, ma petite Margotte, allons faire un petit tour, Tournicotour, hein? Allons-y. Un, deux, trois. Oh, cette idée sera le boom de la saison. Monsieur Pauluche, vous vous intéressez aux antiquités? Et pourquoi pas, hein? L'entrée est libre, monsieur Pauluche. Paulux! Et non pas Pauluche, oh là, cette vache alors. Ok, ça c'est merveilleux objet, très 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 beau, oh oui. Mais je vais me renseigner du prix. Oh, est-ce qu'il y a un vendeur? Oh, j'arrive, cher client. Oh, c'est encore cette vache. Dites-moi, qu'est-ce que ça que c'est que ça coûte, ce canon? Eh bien, c'est un canon très très ancien. Du 17e siècle. J'ai encore jamais vu marcher. Combien coûte? Eh bien, il n'est pas à vendre. Il ne marche pas. Mais avec moi, il marchera. Combien? Eh bien, s'il marche, je vous en fais cadeau. Oh, boum! Mais c'est le cas de le dire. Alors là, c'est vendu, je l'emmène. Vous êtes un peu encrassé, mon cher, hein? Je dois y arrêter. Tu me chatouilles. Oh, c'est un vaisseau. C'est très bon, ça sent déjà la poudre. Hein? C'est un nouveau virus de la grippe. Ah non, ces petits gastéropodes de mon cœur, ça c'est un canon. Ça? Un canon? Ben, on dirait plutôt une marmite, oui. Ben alors, au lieu de critiquer, hein, venez plutôt m'aider. Allez, venez, venez. Pollux, Pollux. Oh, attention, Magotte, je tire au canon. Tu es sûr qu'il va marcher? Mais je serais mal étonné. Venez voir, mon cher petit gastéropode. Oh non, j'aime pas le bruit. Évidemment, alors là, avec ce canon qui n'arrête pas de rire, c'est... Oh, j'ai fait... Et je n'ai jamais marché de mes villes pour marcher maintenant, je ne vais pas... J'ai jamais marché. Mais Pollux, que veux-tu faire d'un canon? Je voulais tout simplement envoyer dans tout le bois joli de petits morceaux de sucre, tu comprends? Alors comme ça, en me promenant, j'aurais trouvé de ci, de là, de quoi me remonter, tu vois. Mais j'aurais jamais fait ça! Attention, Pollux! Qu'entends-je? Ça marche? Le canon est à vous, monsieur Pollux. Oh, bah dites plutôt, parce qu'il en reste! Eh bien, que s'est-il passé, mon Pollux? Regarde toi-même. Ah, c'est la première fois dans ma vie que je vois un canon éclater de rire.